Guide complet des défis de la semaine 5 de Fortnite. Atterrir sur un rail de glisse après avoir sauté du bus. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement lancer une partie. Dès que vous sautez du bus, vous vous rendez à Mega City, donc juste ici sur le gameplay. Et là, vous allez devoir atterrir sur une rail. Donc les rails, il y en a vraiment un peu partout. Et va falloir bien atterrir dessus. Donc je pense que quand vous allez atterrir près d'une rail, il va falloir appuyer sur carré ou sur X pour bien vous accrocher à la rail. Donc, de toute façon, on va voir ça tout de suite. Donc là, je me mets bien au-dessus de la rail. Et j'appuie sur carré, voilà. Appuyez bien sur carré pour être sûr que vous vous accrochez. Et dès que vous aurez fait ça, bah, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ramasser un objet ou une arme en glissant. Donc, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement glisser comme ceci. Et en glissant, vous allez devoir ramasser des munitions, des armes, des bois, des potions, peu importe. Vous ramassez n'importe quoi et ça validera le défi. Donc, si vous ne savez pas comment glisser, je mettrai bien entendu une vidéo en description, en commentaire épinglé qui vous montre comment faire et comment paramétrer votre manette pour glisser. Mais si vous savez glisser, ben, tout simplement vous glissez comme ceci et vous ramassez une arme ou un objet pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Parcourir la distance en utilisant la ruée offensive de la lame cinétique. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est de trouver une lame cinétique comme celle-ci. Alors les emplacements, je vais vous les indiquer. Il y en a un qui se trouve juste ici à Mega City, tout au-dessus. Alors il y en a un autre qui se trouve... Ça se voit hein, parce que, regardez, c'est une sorte de rond comme ceci. Donc ça se voit plus ou moins sur la carte. Donc là, il y en a un emplacement ici. Il y a un emplacement juste ici. Et je crois qu'il y a un emplacement qui se trouve là. Donc voilà. Après, c'est possible que vous puissiez en trouver à Kenjutsu Crossing. Ici aussi, vous pouvez en trouver, je pense. Mais principalement, vous allez les trouver dans les arènes de combat que je viens de vous montrer. Donc dès que vous avez votre lame cinétique, ce que vous allez devoir faire, c'est d'utiliser la ruée offensive. Donc pour l'utiliser, vous avez juste à appuyer sur L2. Voilà, comme ceci. Donc vous utilisez la ruée offensive et dès que vous aurez voyagé... 500 mètres, sur 500 mètres de distance. Ah oui, mais ils ont patché la ruée. Avant, on pouvait l'utiliser 3 fois, maintenant on peut l'utiliser que 2 fois. Ok, je trouve ça un peu con et un peu nul, mais bon, c'est pas grave. Donc, ce que vous allez devoir faire, c'est de voyager sur 500 mètres de distance en utilisant la ruée offensive comme ceci. Et dès que ce sera fait, bah là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Infliger des dégâts à des adversaires avec différents types de fusils à pompe. Alors, pour réaliser ce défi, vous allez devoir trouver 3 fusils à pompe différents. Donc, moi, je vous les montre. Donc là, il y a le fusil à pompe de combat, il y a le fusil à pompe automatique d'expert et il y a le fusil à pompe spécialisé ravageur. Après, il y a beaucoup plus de pompes, hein, je pense, sur la map. Mais voilà, je vous en présente déjà 3. Donc, ce que vous allez devoir faire ensuite, c'est d'infliger des dégâts avec les 3 pompes différents. Vous n'êtes pas obligé de le faire en une seule partie, hein, mais vous allez devoir infliger des dégâts avec 3 pompes différents pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Infliger des dégâts à un adversaire plusieurs fois d'affilée avec le lance foudroyant. Alors pour réaliser ce défi, vous allez devoir trouver le lance foudroyant que vous allez pouvoir trouver dans des coffres normaux posés au sol comme ça sur la map de Fortnite ou alors dans des coffres de titan. Alors les coffres de titan, je vais vous montrer un emplacement. Donc d'abord, je vous montre où je suis exactement. Donc je suis à Anvil Square, juste ici dans ce bâtiment là. Je suis à côté du pont, donc là vous venez ici. Là, il y a un petit escalier, vous descendez, vous entrez dans la cave de Jagger. Et là, vous avez un coffre de titan. Donc, vous ouvrez ce coffre. Et si vous avez de la chance, bah, vous allez obtenir des lances foudroyants. Donc là, on peut en avoir plusieurs sur soi, ça c'est bon à savoir. Et là, j'ai vraiment eu de la chance parce que j'ai carrément l'harnais qui va avec. Donc maintenant, quand vous avez vos lances foudroyants, ce que vous allez devoir faire, c'est de trouver un adversaire et vous allez devoir lui infliger plusieurs fois d'affilée des dégâts avec le lance foudroyant. Donc ne changez surtout pas d'arme et vous l'attaquez plusieurs fois avec le lance foudroyant. Donc regardez, vous attaquez comme ça et vous lui renvoyez une deuxième attaque. Donc après, il faut recharger. Donc je pense que ça doit se faire en 2 attaques minimum. Donc il faut vraiment bien viser et bien l'enchaîner. Donc si vous avez vraiment de la difficulté à réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille, c'est de faire une partie uniquement contre des bots, comme je suis en train de le faire actuellement, parce que les adversaires, enfin les bots, sont super... regardez, le mec, je suis derrière lui, il me voit pas, et même s'il veut me tirer dessus, ben, il va galérer. Donc si vraiment vous avez de la difficulté, n'hésitez pas à créer une partie uniquement contre des bots, il y a une vidéo en description, en commentaire épinglé, qui vous indique comment faire. Alors là, ce que je vais faire, c'est tout simplement l'attaquer 2 fois d'affilée. Ah, évidemment, c'est plus compliqué que je ne pensais. Hop, là je l'ai touché, et là je l'ai retouché. Donc là, ouais, là, je lui ai envoyé
Enfin, là, je l'ai touché d'affilée, deux fois d'affilée. Donc, normalement, ça devrait valider le défi. Et bon, après, je vais réessayer avec celui-là. En fait, le truc, c'est que si vous n'arrivez pas à le coller, bah, vous n'avez pas le... Je pense qu'il faut vraiment le coller, mais deux fois d'affilée, comme j'ai fait juste avant. Donc, c'est un peu complexe. Après, peut-être que c'est pas obligatoirement deux fois d'affilée dans la même attaque. Hein. Peut-être que c'est deux fois d'affilée, genre une fois comme ça. Puis après, vous, même si vous ratez, vous avez le temps de recharger et de le refaire, de lui réinfliger des dégâts. Mais n'utilisez pas d'autres armes. Essayez de garder tout le temps vos lances foudroyantes et essayez de l'attaquer le plus rapidement possible en lui enchaînant des attaques. Donc normalement, dès que vous aurez réussi à enchaîner deux attaques sur l'adversaire, ben là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Code créateur SCM.